Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Ravi de nous retrouver dans ce plateau pour cette nouvelle édition d'information de Boferré Télévision, le réseau parlementaire des droits des femmes et des enfants, avec le concours du plan international, ont organisé ce matin une journée d'échange et d'information sur la scolarisation des jeunes filles et leur maintien à l'école. Le compte rendu est signé Souleymane Ousmane et Mahmoud Djeri. Le réseau parlementaire sur les droits de la femme et de l'enfant s'intéresse davantage sur les questions en lien avec la scolarisation de la jeune fille et le maintien de la fille à l'école. C'est dans cette optique qu'il a initié la présente journée d'échange parlementaire et d'information autour de la protection et la scolarisation de la jeune fille et du maintien de la fille à l'école, état des lieux et perspectives. Selon le représentant du plan international Niger, malgré les efforts consentis dans ce domaine, beaucoup reste à faire pour une meilleure éducation de qualité pour la jeune fille. Cette journée d'information qui vient couronner une série d'autres activités au niveau régional et national vise à alerter les parlementaires sur l'urgence d'investir davantage dans les droits des enfants pour une éducation de qualité pour tous. Une action collective permettra d'informer et d'outiller les enfants, les structures des jeunes, les enseignants, les parents, les communautés, les leaders religieux, les élus locaux, les agents de santé sur les questions d'éducation, de protection pour être des vecteurs du changement. Face à la situation alarmante, les jeunes filles des communes, des localités de Maradi ont dit. Malgré tous les efforts déployés, les défis persistent encore, notamment en milieu rural, où certains parents préfèrent ne pas envoyer leurs enfants à l'école et les mariages précoces. Alors que l'éducation est un palier pour freiner les mariages précoces et forcés, la sous-scolarisation des filles est non seulement un problème de genre, mais aussi un problème lié au cadre de vie. Un message organisé par le réseau parlementaire sur les questions des droits de la femme et de la jeune fille avec l'appui de l'ONG Plan International Niger. Cette journée a été une occasion pour les parlementaires et partenaires de prendre conscience et la nécessité d'investir plus dans les questions de la scolarisation de la jeune fille et du maintien de la fille à l'école afin d'avoir une éducation de qualité pour ses enfants. L'assistance a eu également droit sur plusieurs communications sur les différents engagements des partenaires et recommandations à l'issue des différentes activités menées pour la circonstance. Un film sur la thématique de la jeune fille et la scolarisation a été diffusé. Le monde de la finance islamique s'est agrandi avec la naissance d'une nouvelle institution dénommée Salam Finance Islamique SA. Le lancement de ses activités a eu lieu ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey. Plus de détails avec Reina Moussa et Rabilo. La finance islamique se présente comme une branche de l'économie islamique visant à établir un ordre économique conforme à l'islam. Conscient de cet état de fait, que viennent d'être lancées les activités de Salam Finance Islamique SA, une microfinance dont la vision est d'être une institution de référence. L'événement qui nous réunit est le fruit d'une vision clairvoyante, entreprise depuis la préparation du dossier de demande d'agrément. En effet, les promoteurs de Salam Finance Islamique SA en financier, juristes, ingénieurs expérimentés, ont élaboré un plan d'affaires solide et de projection financière réaliste qui met en évidence le potentiel de microfinance islamique au Niger. Les choix stratégiques, les valeurs mises en avant, les produits, la clientèle cible, les objectifs visés, la planification des ressources et les grands équilibres financiers de Salam Finance Islamique. Parrain de la cérémonie, le secrétaire général du ministère des Finances a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner les acteurs de la microfinance islamique
afin d'améliorer les ratios d'accès des populations aux services financiers de base. La création des salons finances islamiques, également en cohérence avec le plan de développement économique et social 2022-2026, et trouve son ancrage dans deux axes stratégiques des 10 plans. De ce fait, le gouvernement apportera tout son soutien aux initiatives de ce genre qui participent à l'inclusion financière des populations et à la transformation structurelle de notre économie. Salam Finance Islamique est une société anonyme créée le 8 février 2021. Sa mission est de promouvoir l'inclusion financière des populations nigériennes à travers l'accès des financements islamiques adaptés. La coupure du ruban ainsi que la visite guidée des différents locaux ont sanctionné le lancement de la dite cérémonie. Salam Finance Islamique, c'est l'éthique au service de la création et de la valeur halal. 100 pèlerins parmi les 300 programmés en vol régulier pour le groupe d'agences Al-Manasik ont quitté Niamey ce matin à destination de la Terre Sainte pour le Hajj édition 2023. Ils sont au total 1526 pèlerins du groupe Al-Manasik qui effectueront le Hajj cette année. Plus de précisions avec Boubacar Amadou et Abdoulaye Seyd. Avant 6 heures du matin, déjà, les pèlerins du groupe Al-Manasik sont à l'aéroport pour le départ en Terre Sainte. Après les formalités d'usage au niveau des différents postes de contrôle, ces prétendants au Hajj édition 2023 s'installent dans la salle d'embarquement pour attendre leur départ. À leur chevet, le directeur général de l'agence Al-Manasik, Abdelaziz Idrissa Djigal, et le staff d'encadrement. Quelques instants après, les pèlerins s'apprêtent à monter à bord de l'avion de la compagnie de transport aérien Ethiopian Airlines. Des pèlerins qui n'ont pas choisi Al-Manasik au hasard. Et vraiment des collègues qui ont fait les déplacements avec Al-Manasik, ils n'ont pas regretté. Et c'est pourquoi aussi mon choix est porté sur Al-Manasik. Nous remercions Dieu et les organisateurs de ce Hajj, notamment la Koho et Al-Manasik, pour avoir organisé jusqu'ici, comme ça se doit, le départ des pèlerins. C'est une agence qui fait beaucoup d'efforts dans le cadre du Hajj. Et donc, c'est la raison qui m'a poussé à m'inscrire dans leur agence. Vraiment, ça s'est bien déroulé et ils ont pris les choses à temps. Donc, on a été informés des conditions du voyage à temps. On a eu à faire les formations à temps aussi. Et vraiment, tout s'est bien déroulé dans l'ensemble. Pour cette édition 2023, le groupe d'agences Al-Manasik va convoyer 1526 pèlerins, dont 300 en vol régulier. Comme vous l'avez constaté, aujourd'hui, c'est le premier vol de nos passagers Al-Manasik en vol régulier. Et cette année, nous avons enregistré 1526 pèlerins, dont 300 en vol régulier. Et on a eu ce privilège d'avoir le premier vol en vol charter et voilà le premier vol aussi en vol régulier. Et c'est vrai, cette année, on n'a pas eu de problème pour le moment. Comme vous le savez, le gouvernement, à travers le COHO, ils ont pris toutes les dispositions pour la réussite du Hajj de cette année. Dans l'organisation de cette édition, tout se déroule dans de bonnes conditions. Occasion saisie par Abdelaziz Idrissa Djigal de remercier tous ceux qui se sont pleinement investis pour la réussite du Hajj 2023. Donc je profite de l'occasion pour adresser nos sincères remerciements au président de la République, chef de l'État, au premier chef du gouvernement, ainsi qu'au commissaire au Hajj. Sans oublier nos partenaires qui nous ont facilité cette prouesse. Il s'agit de la Sony Bank et de la compagnie éthiopienne. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et puis nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala que le Hajj de cette année se passe dans de très bonnes conditions. En vol charter, le groupe d'agences Al-Manasik a bénéficié de la première place pour le transport des pèlerins, ce qui fait de cette agence une référence en matière d'organisation du Hajj et la Umra au Niger. Elles sont nombreuses, les femmes qui se sont spécialisées via des formations dans le concept en mode
le make-up, une pratique qui consiste à rendre davantage une femme belle via une retouche moderne. Toutes les femmes sont belles selon les spécialistes, les professionnels du make-up. Elles ont juste besoin d'un coup de pinceau, ont-elles affirmé. C'est le reportage de Aïchatou Mamadou et Ibrahim Ousmane. Vendredi, veille de cérémonie de mariage à Niamey, les salons de coiffure ne se désemplissent pas. Ça et là, les femmes et les jeunes filles, chacune tente par ses moyens de se faire belle. Aujourd'hui, j'ai un baptême, donc je profite de l'occasion. C'est comme toutes les femmes, non? On aime être tous belles dans des cérémonies. Tout le monde veut se sentir jolie. Bon, je trouve que le prix est raisonnable. C'est raisonnable parce qu'il y a d'autres qui sont même plus chers que ça. Donc moi, je trouve que le prix, ça va. La irka maiki rengzo kunirwanda chabe duburka din koy gemara ni silamba ema dinka changement gati son dan 30 minutes daran di yaran sai bai. Du fond de teint, des crayons, du rouge à lèvres, des pinceaux et autres produits, c'est de ces articles dont a besoin Barira et Aïssa pour effectuer la magie, celle de métamorphoser le visage à travers du maquillage pour donner ce résultat. Make-up. Si à mariage, je maquille les cousines et les sœurs. Donc c'est avec le temps, petit à petit, les gens ont commencé à savoir que je fais du maquillage. Plus pendant les cérémonies, les vacances surtout, il y a plus de recettes que les autres saisons. Parce qu'il y a beaucoup plus de mariages que les autres saisons. Les jeunes filles et puis les jeunes mariés et encore les femmes qui ont accouché. Dans cette quête perpétuelle de beauté, les femmes ont également découvert ce morceau de tissu qu'elles ont nommé chanton, ce qui est utilisé comme foulard, indispensable pour rendre complet le make-up. Son attache révèle d'un véritable savoir-faire. C'est très important d'attacher le foulard parce que ça fait ressortir le maquillage en fait. Et puis ça fait ressortir la beauté, plus la beauté de la femme. Même si tu t'es pas maquillée, si le foulard est bien ressorti, ça serait vraiment très joli. Le make-up a donc le vent en coupe. Ses pratiquantes se frottent bien les mains. Barira, qui a appris le métier sur l'état, gagne bien sa vie. Tout comme Aïssa, qui a suivi une formation de 2 ans à Dakar, au Sénégal. Toutes les deux rêvent de vulgariser ce métier au vu de la concurrence avec certains hommes qui ont fait de ce métier leur apanage. Ils sont tous convaincus que toutes les femmes sont belles, qu'elles ont juste besoin d'un coup de pinceau. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah, pour d'autres nouvelles informations. Mais d'ici là, la rediffusion de votre rubrique hebdomadaire Actu sur le web avec Aminata Yayamega et Balima Brema. Très bonne réception et bonne soirée à tous. Au revoir. Balima Brema, bonsoir. Merci de me rejoindre pour la rubrique Actu sur le web de tous les mercredis. Bonsoir Aminatou Yayamaïga, bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce 31 mai 2023. C'est en compagnie de Balima Brema. Balima, bonsoir. Merci de me rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Aminatou Yayamaïga. Bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 24 mai 2023. Balima, nous débutons ce numéro d'Actu sur le web avec le matinal Niger.com qui estime qu'Issoufou Mamadou a oublié son principal collaborateur lors de la présentation du prix Mo Ibrahim vendredi dernier.
Éloge à tous les niveaux, un seul homme a été oublié, Brigitte Graffini, Premier ministre 10 ans durant. Il a été, au demeurant, la pièce essentielle du dispositif qui a permis à Issoufou Mahamadou de mener à bien son mandat dans une relative paix sociale, de stabilité et de sérénité. Homme de paix, il a œuvré 10 ans durant à raffermir l'unité nationale, la paix sociale dans le respect de l'ordre. Discret et efficace, estime le matinal, il a géré avec calme et intelligence toutes les crises qu'a connues ce pays durant les deux mandats de Issoufou Mahamadou, de la crise scolaire de Zander en passant par celle du pétrole à Difa, celle dite Charlie à Niamey et Zander, celle dite Bagalam à Niamey. Brigitte Graffini a donné le meilleur de lui-même pour éviter le pire en notre pays. Parfois, contre son camp, il a tranché. Cet homme qui s'est tué à la tâche n'attend certainement aucune reconnaissance en dehors de celle du peuple nigérien, mais Issoufou Mahamadou aurait dû au moins le citer nommément lors de cette cérémonie, tant son action ou ses actions, son sens de l'État ont été le socle sur lequel a été bâti ce prix Mo Ibrahim. Les Nigériens ont remarqué que Issoufou Mahamadou a certes remercié les députés, les présidents d'institutions et autres ministres, mais chacun s'attendait à entendre de vive voix l'ancien président de la République dire grand merci à l'intourbané, comme on l'appelait lors de ses premières heures de sa nomination. Celui-là même qui est le vice-président de la Fondation Issoufou Mahamadou, mais qu'à cela ne tienne, fidèle et loyal, Brigitte Graffini était dans la salle, comme ceux qui avaient eu raison d'être dans la salle. Mais même le président de la République, Bazoum Mohamed, qui a fait de lui secrétaire exécutif de la CNSAD, ne l'a pas appelé lors de son discours. Cet oubli vient rappeler une chose, le PNDS a des historiques. Brigitte Graffini, tout premier ministre comme qu'il avait été, n'en est pas un. La preuve, les premiers à être associés et remerciés pour ce prix sont les amis de 20 ans d'opposition, conclut le site lematinalniger.com. Agence Cofin.com, pour sa part, nous apprend que notre pays compte sur la mine de Dassa pour retrouver sa place de leader dans la production de l'uranium en Afrique. Le Niger n'est plus le premier producteur d'uranium depuis 2016 au profit de la Namibie, alors que sa production a baissé sous la dernière décennie face à celle du pays d'Afrique australe. Le Niger compte sur de nouveaux projets comme Dassa pour tenter d'inverser la tendance. Au Niger, la compagnie minière Global Atomic a publié le 23 mai une mise à jour de l'estimation des ressources minérales MRE de son projet d'uranium Dassa. Par rapport à la dernière estimation de juillet 2019, les ressources minérales indiquées du projet... Balima Brema, bonsoir. Merci de me rejoindre pour la rubrique Actu sur le web de tous les mercredis. Bonsoir Aminatou Yaya Maïga, bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce 31 mai 2023. Balima, l'Union européenne octroie 80 millions d'euros à travers quatre conventions, nous apprend les échos du Niger.com. Cette somme devrait servir à financer des projets dans le domaine de l'énergie, de l'accès à l'eau et de la sécurité intérieure. Elle s'inscrit dans le cadre programmatique de coopération pluriannuelle et qui est en conformité avec les objectifs de la stratégie Global Gateway. Dans son allocution, Hassou Massoudou, le ministre des Affaires étrangères, a indiqué que ces conventions de financement devront servir à financer un grand nombre de projets dans les domaines liés au développement. Grâce au dynamisme de la coopération, de nombreux projets de développement ont été réalisés au Niger dans les domaines aussi importants que la santé, l'éducation, la sécurité alimentaire, la culture et les infrastructures. De son côté, après avoir parlé des principaux défis auxquels le Niger est confronté, l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger n'a pas manqué de rappeler les points positifs de cette convention. Il a mis en exergue la parfaite implication du Niger en faveur du succès des différents projets. La première convention est liée à l'adaptation au changement climatique ainsi qu'au développement des chaînes de valeur au niveau de la Grande Muraille Verte dans les régions d'Agadez et de Maradi.
La seconde convention de financement concerne l'appui au maillage des forces de sécurité intérieure du Niger. La troisième convention, quant à elle, est de son côté liée au projet multicentre d'alimentation en eau potable de la ville de Téra. La dernière convention est relative au renforcement des réseaux de distribution et d'amélioration d'accès à l'électricité, conclut le site lesechosduniger.com. Au moins 55 cas terroristes ont été tués dans une opération conjointe selon nigerintera.com. D'après le bulletin d'information de la zone de défense numéro 5, région de Diffa, en date du 28 mai 2023, la coordination étroite entre les forces aériennes et terrestres nigéro-nigériennes a permis de localiser l'ennemi et de lui infliger d'importantes pertes. En effet, grâce au courage et à la vaillance de nos unités engagées dans cette opération, les résultats sont probants, indique la source sécuritaire. Dans le rang des forces régulières, deux soldats sont tombés sous le champ d'honneur et trois ont été légèrement blessés, tandis qu'un véhicule a été endommagé. Pour leur part, les terroristes ont écopé de 55 morts, parmi lesquels on compte plusieurs hauts responsables militaires, tels que Fia Abou Zeid, Khaïd Abou Oumaïma, Khaïd Malem Mustafa, ainsi que plusieurs leaders religieux dont les identités ne sont pas encore connues. Pour les dégâts matériels occasionnés aux terroristes par les militaires pendant l'opération Harbin Zuma, le bulletin indique que 18 véhicules, dont 5 piégés et 14 motos, ont été détruits, en plus de nombreuses armes et munitions saisies. Le journaliste nigérien Sédic Abba obtient une entrée à l'Université de Montréal en tant que chercheur associé selon infoniger.com. C'est à travers son compte Twitter personnel que les Nigériens ont appris la bonne nouvelle. « J'accueille avec immense humilité et fierté mon entrée en tant que chercheur associé dans le groupe de recherche interdisciplinaire en histoire de l'Afrique, GRIHA, de l'Université de Québec-Montréal, UQAM, sur la base de mes travaux scientifiques et ma production éditoriale », a écrit le journaliste Sédic Abba. Une promotion bien méritée, dit-on, dans les milieux de la presse nigérienne, africaine, voire internationale, car les confrères sont unanimes sur les qualités de l'homme qui ne cesse de briller par sa contribution à la compréhension des défis qui minent le continent africain. Ces dernières années, sa contribution est inestimable à la compréhension de la guerre contre le terrorisme au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Sédic Abba a su conquérir un auditoire tant en Afrique que dans l'Hexagone. Les chaînes d'information CNews, France 24, LCI, RFI ainsi que BBC, Deutsche Welle et VOA font appel à son expertise lorsqu'il s'agit d'expliquer et d'analyser une actualité qui défraie la chronique à travers le monde. Et comme il l'a dit lui-même, une consécration est le résultat de ses travaux de recherche et sa production éditoriale. Sa brillante carrière dans le journalisme a fait de Sédic Abba un habitué des podiums pour recevoir des distinctions, comme ce fut le cas au mois d'août dernier à Bruxelles, où il a été lauréat 2022 de la catégorie Media Leadership. En lui décernant le prix, le jury a notifié ceci. « J'ai l'immense plaisir de vous informer que vous avez été désigné par le jury des Rebranding Africa Awards comme lauréat 2022 de la catégorie Media Leadership pour votre brillante carrière de journaliste et votre inestimable contribution à la compréhension de la crise sécuritaire dans le Sahel et le bassin du lac Tchad à travers vos différents ouvrages qui font référence. » Enfin, Balima Or, de chez nous, au Sénégal, le pouvoir lance un dialogue national sur fond de crise politique, indique RFI.fr. Le rendez-vous a été pris ce jour à 16h à la salle de banquet du palais présidentiel pour la cérémonie officielle de lancement. Initialement prévue hier mardi, elle a été reportée de 24 heures sans explication de la part des autorités. Le dialogue est une tradition au Sénégal, souligne le porte-parole du gouvernement. Toutes les questions seront débattues. Après consultation de sa base, le parti Taxawu Sénégal de Khalifa Sall a confirmé sa décision d'y prendre part. Une participation avec responsabilité, mais sans compromission sur les combats menés dans l'opposition, indique son communiqué. Le parti dit rester en première ligne contre une troisième candidature anticonstitutionnelle et illégale du président Macky Sall. Sous le coup d'une condamnation, Khalifa Sall, candidat déclaré à la présidentielle, reste pour l'heure inéligible. Tout comme Karim Ouad, le fils de l'ancien président,
Son parti, le PDS, avait déjà donné son accord de principe pour participer au dialogue. L'enjeu principal, poursuit le site RFI.fr, pour eux serait une modification du code électoral ou une amnistie pour leur permettre de concourir. Mais pour la plupart des autres responsables de l'opposition, Ousmane Sanko, Diétié Fall ou encore Aminata Touré, pas question de participer à ce qu'ils qualifient de deal. Ils appellent à rejoindre le contre-dialogue ou le dialogue du peuple organisé par la plateforme des forces vives F24 ce mercredi après-midi. Parmi les points à l'ordre du jour, plus jamais de tentative de troisième candidature et une séparation effective du pouvoir, conclut pour sa part le site RFI.fr. Malima Brema, merci, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci à vous aussi, Aminatou Yaya Maïga. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Monsieur Dame, merci également à vous de nous avoir suivis ici sur FM, cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision. Bonsoir.